Salut les Goons, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs dossiers, comme vous le voyez, c'est très chargé aujourd'hui. On va parler de Krunic, Mamba Baldé, Luan Perez, Baptiste Amendy, Flavien Té, Jorginho, Rutter, Amin Sarr également, Kadewere. Donc il y en a, ça va être très très rapide, je vais pas énormément parler d'eux, mais il y en a d'autres où je vais un petit peu plus entamer le sujet. Avant de commencer cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Tout ça, c'est gratuit, ça soutient la chaîne, vraiment, n'hésitez pas. Ça fait vraiment très 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 plaisir et vraiment merci à tous ceux qui le font. On commence tout de suite avec Krunic. Donc ça a été dévoilé par Hugo Guimet. Krunic est le plan B de Lyon pour le poste de milieu défensif central. Il a encore joué hier et Milan a gagné 4-1. Donc voilà, il n'y a pas eu non plus de mauvaises choses dites hier soir. Donc voilà, je pense qu'il a dû faire un match correct. J'ai pas vu le match, voilà, je vais vous mentir, hein. Mais voilà, je regarde un petit peu des highlights sur lui et je trouve vraiment que c'est quelqu'un qui a vraiment pas peur d'aller au duel. C'est vraiment un bon petit joueur, voilà, gros volume de jeu, très costaud, pas peur non plus dans les tacles, il marque des buts, j'ai vu surtout en sélection il est pas mal. Après j'ai pas vu non plus tous ses buts en Serie A, mais je trouve que c'est un bon joueur, bosniaque, voilà, c'est cette mentalité comme un peu les Croates, voilà, je fais pas de comparaison, mais voilà, c'est la mentalité, c'est des mentalités de guerriers sur le terrain, et je pense que ça peut être vraiment un bon plan B. Après, la petite mauvaise info, c'est que l'entraîneur Pioli, je crois, a dit que Krunic resterait. Donc, on verra s'il y aura du changement. Est-ce que le dossier Rodriguez est plus compliqué que prévu? Krunic, la petite phrase de l'entraîneur, est-ce que ça va faire pencher le dossier dans la mauvaise direction? On va voir comment ça va se terminer, mais il va falloir vite s'activer pour un numéro 6 parce qu'on en a vraiment besoin. Maintenant, je vous tiens au courant s'il y a d'autres infos sur le poste de numéro 6. On continue avec Mama Baldé, ça va me permettre aussi de vous parler de Sarr et de Kadewere. C'est une info aussi d'Hugo Guimet pour Sarr et Kadewere. Sarr et Kadewere, franchement, sont plus vers le départ que pour rester dans l'effectif. Surtout Kadewere est vraiment le plus proche des départs. Sarr, vraiment, voilà, il n'arrive pas trop à convaincre. Et donc, du coup, Lyon a commencé à chercher une doublure à la Lacazette. Et Mama Baldé, c'est aussi une info de Saber Defarge, le journaliste qui officie, je crois, vers Téléfoot. Et Mama Baldé serait vraiment. Dans la discussion avec Lyon, voilà, il y aurait une offre. Ça parle d'une offre de 10 millions d'euros, quelque chose comme ça. Je vais également vous donner un autre complément d'information. C'est que Lyon voudrait faire un achat sec, donc un transfert sec, soit pour l'attaquant, soit pour le milieu de terrain, et faire un prêt pour l'autre. Donc je pense que quand même que ce serait mieux d'acheter le vrai bon milieu défensif central, le numéro 6, faire un achat. Mais vraiment un bon 6 et prendre une doublure en prêt, je pense que c'est vraiment le plus adéquat parce que la doublure, elle va pas marquer non plus 10 ou 15 buts. Ce sera un joueur de complément qui va mettre 5, 6, 7 buts, quelque chose comme ça. Et là, prendre Mama Baldé qui officie en Ligue 2 en ce moment, qui a fait une bonne saison l'année dernière malgré que son club est descendu, il a mis je crois 12 buts en Ligue 1, c'est quand même pas mal dans un club qui joue la descente, c'est quand même pas mal du tout. Moi honnêtement, Baldé, je suis pas contre le prendre. Mais je préférais, comme je viens de vous le dire, de le prendre en prêt, ce serait vraiment la meilleure solution. Parce que s'il convient pas, il repart. S'il convient, Lyon pourra lever l'option d'achat. Donc on va voir comment ça va se poursuivre. Mais Lyon aurait vraiment bien entamé les négociations avec Mama Baldé. On continue avec une info qui vient de Turquie. Ça serait Luan Perez. Lyon aurait formulé une offre de 7,5 millions d'euros. Mais ça n'a pas été confirmé par Hugo Guimet ou d'autres grosses. On va dire, d'autres gros médias. Donc honnêtement, l'info Luan Perez, moi, elle me semble vraiment bizarre. Parce que, en fait, je ne sais pas ce qu'il viendrait faire à Lyon, en fait. On a déjà 4 défenseurs centraux. On a déjà 2, voire 3 arrière-gauche avec Lazeri qui a fait une très très bonne performance hier avec la N3. Moi, honnêtement, Luan Perez, je ne vois pas l'utilité de le prendre, en fait. Parce qu'on a déjà peut-être Adrielson, comme je vous ai dit, le défenseur de Botafogo, qui va peut-être venir en janvier. Ce serait vraiment une accumulation de joueurs et on n'a pas de Coupe d'Europe. Donc, on ne peut pas se permettre d'acheter des joueurs pour rien. Donc, honnêtement, moi, cette info, je n'y crois pas trop. Vraiment, vraiment pas trop. On continue rapidement avec les deux pistes du milieu. Baptista Mendy, joueur d'Angers, moi honnêtement, ça me paraît vraiment faible pour le faire venir parce que si vraiment on espère faire revivre un peu notre milieu de terrain et prendre un joueur qui vient de Ligue 2 au lieu de prendre quand même un joueur confirmé comme Rodriguez ou Krunic, moi honnêtement ça me fait vraiment peur. Donc je pense que cette info ne doit pas être non plus hyper vraie et que à mon avis Lyon a dû peut-être se renseigner, ça je dément pas l'info de voilà que Lyon c'est pas. Je pense qu'ils se sont renseignés, mais vraiment je pense que ça n'ira pas plus loin. Également pareil pour l'info de Flavien Té. C'est également tombé, il y a eu vraiment beaucoup d'infos hier. Et Flavien Té pour moi non plus, ça n'ira pas plus loin. Je pense pas qu'il viendrait jouer à Lyon. Ça m'étonnerait. On a déjà beaucoup de joueurs dans ce style-là. Assez petits, voilà, des petits hargneux comme ça. On en a déjà plein, donc honnêtement, c'est pas le joueur qu'il nous faut.
L'info voilà qui me plaît un peu plus voilà pour le niveau de buteur, un peu comme Amavaldé, c'est un joueur voilà qui me plaît bien, c'est Rutter. Après il reste voilà sur un il vient de signer dans un grand club qui est le Leeds, quand même pas un bon club je veux dire. Par contre, ils sont descendus. Voilà, c'était un gros achat pour eux, je crois que c'était 28 millions d'euros. Ils sont descendus en Championship et lui à mon avis il cherche une porte de sortie. Donc Lyon, si vraiment il s'y intéresse, comme l'a dit également Saber Defarge ce matin à Téléfoot, c'est que peut-être que voilà, lui il cherche une porte de sortie. Moi je pense qu'un prêt ce serait vraiment pas mal pour voir si on peut le relancer. C'est un bon joueur, je crois qu'il a les deux pieds. C'est un bon petit joueur à Hoffenheim, il était vraiment pas mal. Après c'est sûr que voilà, c'est comme Tété qu'on avait, voilà, il est parti, vous voyez, maintenant il est reparti à Galatasaray, donc vous voyez le fossé. Quand on fait un mauvais choix de carrière en partant à Leeds, il va falloir vite trouver une porte de sortie pour essayer de se relancer. Lyon, ça peut être une bonne solution, mais voilà, c'est pareil, c'est un prêt. Moi, même si Lyon vraiment est en focus dessus, je prendrais même un prêt sans option d'achat parce que je ne sais pas combien va être l'option d'achat parce qu'il a été acheté il y a 6, entre 6 et 1 an, 6 mois, 1 an, pour 28 millions d'euros. Et à mon avis, l'option d'achat se situerait presque entre 20 et 25. Donc c'est quand même énorme. Donc voilà, pourquoi pas peut-être un prêt avec option d'achat non obligatoire, si vraiment Lyon est focus sur Jorginho Rutter, qui est vraiment un bon petit jeune. Après, on va voir comment ça se passe. Moi, je vous ai dit, hein, les infos voilà, qui sortent, moi je vous le dis, je pense que Flavien Thé, Baptiste Mendy et Luan Perez, à mon avis, ne joueront pas à Lyon. Kadewere est vraiment, pour moi, très proche de la sortie. Sarr, peut-être pas ce mercato-là, mais peut-être au mercato d'hiver ou d'été prochain, il sera plus là. Krunic, ça va être dur. Mama Baldé et Rutter, c'est peut-être plus proche d'arriver à Lyon en fin de mercato. Donc, à mon avis, ça serait. Je mettrais peut-être plus une pièce sur Mama Baldé qui viendrait en doublure. Moi, vraiment, ce serait, à mon avis, comme ça que Lyon fonctionnerait. Et j'espère vraiment que, pour finir cette vidéo, que Lyon fait le focus pour Rodriguez parce que vraiment, on a besoin d'un numéro 6 rapidement. Donc, voilà pour cette vidéo. J'attends votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de Krunic? Est-ce que vous pensez qu'il viendra pas? Luan Perez, Baptiste Amendy, Flavien Thé, etc. J'attends votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones!